Alors bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Jesse, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Last of Us, l'épisode 3 du Let's Play, n'est-ce pas? Donc la dernière fois on s'était retrouvé dans un petit bâtiment où on avait fui un petit peu la ville avec Marlène, donc la chef des Lucioles, et Tess, donc notre compagnon. Et on s'enfuyait en fait pour rejoindre un camp Luciole. Donc on avait réussi à rattraper Robert et à le tuer, qui avait dans le fond volé entre guillemets nos armes. Du coup, on va les rattraper, on l'avait tué. Et Marlène était arrivée et nous avait promis les armes en échange d'une livraison secrète. Donc on va sûrement voir dans cet épisode de quoi il s'agit. Donc encore une fois, moi je vais devoir me retourner de temps en temps pour voir où j'en suis rendu dans le jeu. Toujours ce petit décalage. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau du son, ça ne changeait pas grand-chose. C'était vraiment surtout au niveau du... Oh! Au niveau du son, ça change pas. C'est juste moi en fait qu'on me voit tourner. C'est ça qu'en fait qui est bizarre. On peut se faufiler dehors, même si je sais que c'est pas votre style. Yes. On doit atteindre. Ok. Comment on s'accroupit déjà? Comme ça. Ok. On essaye toujours de ne pas utiliser nos armes. C'est la priorité. On va utiliser les bouteilles à la place. Il est loin en fait le garde. Par où je dois passer? Par là. Ok. On va passer par là, on devrait être plus subtil. Ah, fais le tour, fais le tour. Il y en a un juste là. C'est bon, regardez-moi ça, cette synchronisation. Incroyable. Même si on vient d'étrangler quelqu'un. Super bruyamment. On ne fait pas de bruit. Là-bas, il y a des petits trucs à prendre. On va prendre tout. On va essayer de vraiment de fouiller au maximum pour débloquer le plus de trucs possible. Donc, on fera pas le jeu à 100%. On récupérera pas tout, tout, tout. Mais en tout cas, on va se donner le plus possible. Là-bas, il y a un gars. Et par là, il y a rien. Ok. Mais juste là. On l'attrape et on se cache. On y va avec discrétion. Et discrétion. Qui vient de tirer? Oh. Là-bas. Il y en a peut-être un plus proche. Nope. Ok. Ok, il en reste encore quelques-uns. On va essayer d'apprendre celui tout à gauche au début. Pour ensuite se rapprocher vers. Pour là juste qu'il bouge en fait. Nope. Ils sont un peu idiots des fois. Hein. Ils étaient pas trois. Ouais, l'autre m'a vu, mais au moins j'en ai eu un. Non, non. Non, non. Non, non. Vous m'avez pas vu. Vous m'avez pas vu. Courez, 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 courez. Cache-toi. Allez, dans ta face. Dans ta face. Coup de bouteille, coup de bouteille. Allez, tringle, tringle. Wouh. Allez, allez. Allez. Je vais t'avoir, je vais t'avoir. Allez. Oh yeah. That's it. Aucune balle de gaspillée. C'est ça qu'on aime. Il y a rien par terre? Non. On est plus très loin. Oh yeah. J'ai perdu un petit peu de vie, mais est-ce que ça vaut la peine d'utiliser le kit médical? Peut-être pas tout de suite. On va économiser un peu.
Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose sur eux. Ça, c'est des lucioles, du coup. Hein. Je pense pas. Il n'y a pas moyen. Il me semble qu'il y avait moyen de. Comment on active l'essence déjà? R1, je pense. Il est mort. Oh, je sais. S'il n'y avait pas moyen de. Waouh. De voir les objets briller. Allez, allez, allez. Comment on saute? Ok. Bloqué par les cadavres. Ok. Allons-y. Regardez-moi ça comment c'est magnifique. Même en 720p, c'est magnifique. Allons-y. Yep. Voilà. Où est-ce qu'on va, Marlène? Nulle part. Par ici. Ok. On n'est plus très loin. Bon. Les mains l'air. Non. Ok. On va continuer un petit peu l'explorer un petit peu ici. Ah, moi, très bien. Ah, c'est pas moi qui ai parlé. Comment je me sens plus pour longtemps? Bonne réponse. Il n'y a rien sur le côté. Je pense que c'est vraiment un petit peu linéaire. On est presque arrivé. On peut pas sprinter. Oh. Le feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Waouh. C'est quoi la marchandise? C'est vrai que pour l'instant, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Ceux qui n'ont pas connu le jeu pourraient être surpris. Du genre de marchandises qu'on peut livrer par ici. Je pense que c'est la ville de Chicago d'ailleurs. Je suis pas sûr. L'ancienne ville. Ah, je vais t'aider, je vais t'aider. Bien sûr, je vais t'aider. Pauvre elle. What the fuck? Dangereux. Dis donc, tu y recrutes pas un peu jeune. C'est pas inutile. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste. Ellie, c'est notre seule chance. Hey. C'est elle qu'on fait sortir? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Mais oui. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a montré. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les aie. D'accord. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes et je pourrai le faire sortir. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense la pas merde, que ce soit je une fais pas avec lui. Tu les connais d'où? J'étais amie avec son père Tony. My brother. Qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'est lui qui nous a fait fuir la ville. Ah. Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. C'était. D'accord. L'emmener au tunnel nord et attendez-moi là. Son frère Tommy. Ben ouais. C'est aussi l'intrigue de cette histoire. J'essaie des fois la cam bloque les scènes importantes, genre les dialogues ou leur visage. Je pourrais l'enlever, je pense. Attendez, je vais essayer quelque chose. D'accord, c'est clavier. Comment c'est le jeu? Caché cam. Attendez. Je pense que je peux faire tout simplement ça. Voilà, ça devrait être bon. Donc du coup, normalement... Et voilà. Donc au moins... Regardez. Avec un petit bouton, je vais pouvoir enlever ma cam. Vous aurez toujours le cadre. Attends, je vais essayer quelque chose. Je pourrais enlever le cadre en même temps. Ce serait génial. Avant, mais j'ai oublié de le... Voilà. Vous m'entendez toujours? Mais vous avez plus ma cam. Dans les cinématiques, je ferai ça. Ou si je me retourne trop souvent, je vois qu'il y a une grosse phase d'action. Je vais me retourner parce que de toute façon, vous verrez pas mon visage. Ça servira à rien.
là, on va continuer un petit peu. Donc, maintenant, on a Ellie qui est avec nous. Notre marchandise qu'on va devoir livrer au Capitole. J'ai entendu les tirs. Pour recevoir enfin nos armes que Robert nous avait pris et avait vendues aux Lucioles. Ouais, voilà. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. C'est toi l'expert. Moi, je te suis. Oh, yes. Follow me. Il n'y a pas grand chose. Oh, voilà. Médaillon, pendentif des Lucioles. Voyons voir. Philippe. Un pendentif porté par les membres de la milice des Lucioles. Ok. Attendez. Philippe Liu 105. D'accord. Donc c'est le Luciole numéro 105. Hop. Continuons. Donc on est sorti par là. Ce petit magasin juste là-bas. C'est un magasin de quoi? De muffins et de pain. C'est une pâtisserie. On est sorti d'une pâtisserie. On veut pas prendre le pain en partant. Oh. Je sais pas si c'est dangereux de rester. Regardez les gens. Ils vont se cacher. Alors moi je me suis trompé. C'est par là qu'il faut aller, il me semble. Yes. Par ici. Follow me. Je vais mettre la lumière aussi souvent. Des fois, je sais que YouTube a son bruit. Dépêche-toi. Non, une autre vibrante, j'ai eu peur. Je sais pas vraiment s'ils peuvent me voir. On n'est pas recherché techniquement, là. On est juste des civils qui sont en dehors du couvre-feu, il me semble. Bon, bref. Au pire, si nous voit, on a rien à recommencer. Là-haut. Pour atteindre le tunnel nord. Comment okay. Tu grimpe là-haut? Donne-moi une minute. Oh yeah. Regardez-moi ça. Ellie. Je pourrais peut-être m'en servir comme miniature. Ou je vais juste trouver la miniature sur internet comme d'habitude. Pour les miniatures, ce que je fais, c'est que je prends une image de la personnage principale d'aujourd'hui. Oh. Et je fais juste le mettre sur Photoshop. Puis je rajoute le logo et le numéro à côté. C'est pas compliqué. Tu veux grimper, Ellie? Une belle baie d'ordure. Et voilà. Et on grimpe. Hop. Tu viens? Je sais pas si elle va vraiment le faire. Je sais que avant il y avait des bugs. Et en fait on la voyait stepper parce qu'elle faisait pas les mouvements. Ok, elle fait vraiment. Je pense que si on va trop vite, elle va juste se TP. Oui. Parfois. Et une gamine, ça se fait? Pas souvent. Non, c'est une première. Bon, première fois. Quoi entre toi et Marlène, au juste? Faut toujours une première fois? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Waouh. Wow. Alors comme ça, t'es ami avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop. Et tes parents, ils sont où? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça? Je peux pas te dire pourquoi je veux porter d'ici. C'est ce que je veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. Waouh. US Army. C'est là qu'il fallait aller. Hein. Ouais. Ok. C'est ici. Tu veux le temps? Je suis sûr que tu vas trouver un truc.
Ta montre est cassée. J'ai gardé la montre de Sarah. En gros, ça fait 20 ans qu'elle est là, la montre. C'est normal qu'elle soit vieille. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. That music. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Yeah. On voit les murs. Ah, cette musique. Ça peut pas être pire. On adore. Pas vrai? Qu'est-ce que les lucioles te veulent au juste? Hé. Hey. Désolée d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise. C'est énorme. Oui. Ouais. Ok. Pour mettre la cab, que vous voulez dire? Bah, c'est bizarre qu'il nous propose cette mission. Marlène voulait le faire elle-même. Ah. Qu'est-ce que c'est? Elle a perdu beaucoup d'hommes. Liste de tests. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. 12 barquettes de jambon, 8 boîtes d'haricots, 4 boîtes de bandage. Qu'est-ce que c'est? Une liste? Allez. De quoi? Mais vous, vous avez la cam, mais je peux zoomer, hein. Ouais. Je peux pas... carré. Faire défiler, ok. Une bonne bouteille de scotch. Celle-là, c'est pour nous, Joël. Ah, c'est ce qu'on a trouvé, je pense. Donc, le 13-06, on a trouvé 3 sacs d'engrais, des boîtes de fruits, etc. Je sais ce que tu penses, livraison merdique. Bill a promis qu'il ferait mieux la prochaine fois. Bon, je pense que c'est pas très important. Je pense pas qu'on va nous demander qu'est-ce qu'on a reçu cette journée-là ou quoi. Ok. Donnez-moi ça. On voit la bordure de la ville, je pense. Attends, elle est où? Elle est là, on est dessus en fait. On est sur la bordure. Yep. Petite génératrice. Auto pratique. Comment on fait ça? Ok, vous le voyez pas, attendez. Voilà, c'est une petite barre qu'on doit appuyer au bon moment. Ah, parce que moi je suis, c'est vrai, je suis décalé. J'ai regardé l'écran en fait. Ok. Allons-y. J'aimerais savoir ce genre d'ascenseur. Elle a dit que des lucioles avaient fait le voyage depuis notre ville. La fille doit être importante. Sûrement. C'est quoi ton problème? La fille d'une huile ou un truc dans le genre? D'une huile? Ouais, un truc comme ça. Bon. Ça va être encore long. Oh yeah. Qu'est-ce que c'est? Ellie, une fois sortie, tu feras tout ce qu'on te dit. Et tu resteras près de nous. Ouais. Reste près de nous. Yeah. Qu'est-ce que c'était? Oh, un nouveau truc. Ce qu'on avait trouvé, nous, c'est... carte. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ce qu'on vient de trouver, là. Lire. Une carte de la zone de quarantaine de Boston. On voit Robert. Tunnel. Quartier militaire, zone 4, tunnel. Take his men for patrol to switch shift. Ok, ça prend 15 minutes pour les patrouilles de changer de shift. Et c'est un petit peu... ils l'ont annoté en fait pour pouvoir pas s'échapper, mais pouvoir aller et venir. Attends, il y avait une petite marque, c'est écrit test, je pense. Ouais, on peut pas zoomer, mais au milieu en fait, vous avez un petit cercle, c'est écrit test. Je sais pas si c'est peut-être la personne. En haut, c'est écrit downtown, je pense. Centre-ville. En tout cas, c'est pas très intéressant. Donc ici, on a les pendentifs de Luciole. Manuel d'entraînement. Et ici, on a de quoi confectionner des surins.
Confection. Donc ça oui c'est vrai, on va pouvoir confectionner toutes sortes de choses. Donc pour l'instant on peut faire que les seringues. Après plus tard vous voyez qu'on pourra utiliser des chiffons, attends, vous voyez pas, de l'alcool, des explosifs et du sucre. Et ça va nous servir en fait à faire plein de trucs, comme par exemple des kits de soins qu'on va pouvoir crafter plus tard. Donc moi j'ai déjà crafté un petit surin. C'est pratique pour eux pour faire les éliminations furtives. Voilà. On va en faire juste un pour l'instant. Ah, ok, oui. Éviter de frapper. Oh yes. Voyons voir. Ok. Donc là, il va falloir fuir la ville. Ça va être assez chaud, je pense. On va essayer d'y aller avec discrétion. Fais attention. Ok, c'est à moi. Cette pluie ne va pas nous aider. Soyons discrets. Je suis vraiment dehors. Ouais. On est à l'extérieur de la ville. Voyez-moi ça, la ville. Regardez-moi ça. La ville est toute en ruine. Ils vont expliquer plus tard pourquoi la ville est toute en ruine si vous ne savez pas. Ça, on l'a vu un petit peu dans la démo. Pas la démo, le prologue. Vous avez vu un petit peu. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Calmez, j'appelle le cuivre. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolé. Oh. Merde. Je Cette fille est folle. Juste les retarder ou un truc du genre. Oh Regarde. Merde. C'est écrit positif, je pense. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Oh, oh, Regardez. Oh. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours, alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines, je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. Merde. Tess, cours. Cours! Debout. Allez, cours! Là, il va falloir courir vite. Donc, on transporte présentement une gamine infectée d'il y a plus de 3 semaines. Suivez-moi. Sachant que normalement. Waouh! Un infecté se transforme en 2 jours. Là, ça va être la phase de rapidité. Est-ce qu'elle va le donner? Ok, cours, 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 cours. Mais non! Ils vont. Eh, hey, il m'a poussé. Vous l'avez bien vu, il m'a poussé. Ok, on va rentrer là. Passe, 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 passe. Courez, 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 courez. Faites juste courir. Ok, c'est bon. Ok. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ok, passe devant si tu veux. Est-ce que tu peux sauter? Non, tu veux pas sauter? Mais laisse-moi passer de bord. On est coincé. Elle vient de nous coincer. Elle veut pas sauter. Qu'est-ce qu'elle fait? Si ça saute, voilà.
Godness. Restez derrière moi. On va passer par là. Ok. On va attendre qu'il s'échappe. Ça m'a l'air plutôt dangereux tout ça. Bon. Pourquoi pas. RAS. On va y aller discrètement. J'ai pas envie de me faire tuer 36 fois. Ok. Ok, ok, ok. Je pense qu'ici, il n'y a pas grand chose à... Je vais voir quand même, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à apprendre ici. Non. Autant quand même aller vérifier. On ne sait jamais. Il y a une canette ici, mais ça sert à rien. Ok. Penchons-nous. Ok. Nous on va par là-bas. Pourquoi je les entends? Passe, 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 passe. Ok, il y en a juste là. Passe, 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 passe. Discrétion incarnée. Chut, personne n'a fait le bruit. Ok. Ouh. Je pensais que ce soit terminé. Au moins on a avancé. Normalement il y a une save ici. Ouais, là il y a une save. Au moins on va recommencer ici si on recommence. Cachons-nous, cachons-nous. On va y aller discrètement. Il faut attendre que la patrouille passe en fait. Arrêtez de me pousser. Ça donne quoi? C'est pas grand chose. Ok, j'ai une brique. Je vais pouvoir faire diversion. Il veut pas... Ouais. Il a bugué. Il a peut-être bugué. Continue d'avancer. Bon, moi ça me dérange pas tant que eux avancent. Il devrait pas y avoir de problème. Sauf s'ils s'approchent par ici. Ok. On devrait être tranquille. On pourrait tous les tuer, hein, il me semble. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Présentement. Ok, je pense qu'on est bon. On se rend en partie. Allez, on run, on run. Run, 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 run. Saute, saute, saute. On descend, on s'en fout. Au moins ici on est safe. On devrait être correct. Là. Ok. Je pense qu'on a passé. Pour vrai, cette zone-là, il me semble, je l'ai recommencé plusieurs fois quand je l'avais joué il y a plusieurs années. Ça fait longtemps que j'ai joué. Mais il me semble que je l'avais recommencé plusieurs fois parce que je me faisais trouver à chaque fois. Justement par le soldat qui était un peu buggé là tout à l'heure. En fait, il me voyait parce qu'en fait il passe devant toi alors que là j'ai réussi à l'esquiver par là. Ouais, je vois s'il n'y a pas un peu de stuff. Si jamais, ça fait longtemps que j'ai pas trouvé le petit item. Oh.
J'ai cru voir un truc, non? Ok. Ici, il doit y avoir les trucs. Non. Ok. Il n'y a pas grand chose là-dedans. Non plus. Ok. Bon, elle est pas trop gâtée pour l'instant. Par où je dois passer? Elle l'a dit. On va voir là. Bah sûrement par là en fait. Bah juste là. Lol. C'est pas terminé. Encore des soldats. Cible toujours en fuite. Arrêtez les recherches et présentez-vous au secteur 1. Je crois pas qu'ils nous aient vu. Parfait. Ok, ils s'en vont, ils s'en vont. Restez loin. Dans l'ombre. Passe. Parfait. Ok. On peut aller tout droit, mais on peut aussi aller à droite. On va explorer un peu. Okay. Ici, d'après moi, il peut y avoir quelques infectés. Il y a personne en tout cas. Allez, on peut explorer un peu ici. Il y a rien. On est en sécurité ? On devrait l'être. Pour l'instant. Joël, regarde s'il y a des trucs utiles ici. Ouais, c'est ce que je fais. Il n'y a pas grand chose. Hein. Oh, ah, un casier ici. Puis à terre, moi ? Non, c'est moi qui rêvais. Ah. Des balles de fusil, mais je suis plein. Je suis plein. Ah, d'accord. J'ai quasiment envie de tirer deux balles juste pour ne plus être plein. J'ai regardé pour être sûr. On peut toujours plus confier. On peut pas confectionner d'autres trucs. Ok, continuons d'avancer. Tess, en haut dans ce conduit. Ça? On doit pouvoir passer par là. Non, par là plutôt. Continuons un peu. Attendez, attendez. Oh là là. Ça passe juste au-dessus. Hein. Ils sont partis. Bon. C'était quoi le plan? Imaginons qu'on délivre une boussole comme prévu. Et après? Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... quoi qu'il soit arrivé, c'est... la clé pour trouver un vaccin. Oh, je regrette. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici? Et si c'était vrai? J'arrive tant. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors? J'ai compris. Ta-ta-ta. Cassé. Ok. Regardez-moi ça, c'est magnifique bâtiment. Attendez-moi. Bougez plus. Ne m'attendez pas. Ils s'en vont. Ok. Mais pendant que eux s'en vont, nous on va se laisser pour ce magnifique épisode. Il aurait duré une petite demi-heure. 34 minutes, c'est bien suffisant. Est-ce qu'on va se retrouver? Ah, ils s'en vont. Où ils m'attendent? Ils ont l'air de m'attendre. Bon, attendez-moi, attendez-moi. Je fais juste mon outro. Regardez-moi ça. Ces bâtiments sont sur le point de tomber. Parce que nous, on va se retrouver à la prochaine pour la suite de The Last of Us. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Waouh! Un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao ciao!